une superficie de 132 000 km² pour 11 millions d'habitants, la Grèce comprend trois unités géographiques. Au nord, la Grèce continentale avec les villes d'Athènes et de Delphes. Au sud, séparée par le golfe de Corinthe, la presqu'île du Péloponnèse avec les villes d'Épidaure et Mycène. Et bien sûr, les îles qui représentent un cinquième de la superficie totale du pays. Après les civilisations des Cyclades et de la Crète, concentrées dans les îles, c'est la civilisation mycénienne qui s'est épanouie du XVIe au XIIe siècle avant Jésus-Christ sur le continent. Puis, les invasions qui ont abouti à la destruction de cette civilisation ont marqué le début de la période de la Grèce antique, dont l'âge d'or classique se situe entre le VIe et le IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec Athènes pour cité phare. Ensuite, ce sont les Romains et les Ottomans qui ont pris possession du pays et l'ont modelé à leur culture. Après son indépendance au XIXe siècle, la Grèce est alors devenue une région du monde prisée par le tourisme culturel, mais aussi balnéaire, grâce à son climat méditerranéen. Aujourd'hui, Athènes est la capitale et la plus grande ville du pays, avec 750 000 habitants et plus de 3 millions avec sa périphérie. Elle est le cœur politique, économique et culturel de la République hellénique, dont elle accueille la plupart des institutions, comme le Parlement, la Cour suprême et le siège du gouvernement. Mais Athènes est aussi l'une des plus anciennes villes au monde, fondée vers l'an 800 avant notre ère, de la fusion de plusieurs villages autour du site protégé de l'Acropole. L'Acropole est un plateau rocheux d'environ 148 mètres de haut, dont le sommet plat mesure 300 mètres d'est en ouest et 85 mètres du nord au sud. Elle n'est accessible que par une pente escarpée sur le côté ouest. Des vestiges d'occupation ont été découverts datant de l'âge du bronze. Puis, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, elle fait office de forteresse ou ville le roi et elle est alors entourée de puissantes murailles cyclopéennes. Après la chute de la civilisation mycénienne et durant la période archaïque de l'Antiquité, toutes les anciennes fortifications, constructions et statues sont détruites pendant l'occupation d'Athènes par les Perses. Puis, entièrement reconstruite à l'époque classique au Ve siècle avant Jésus-Christ, l'Acropole cesse alors d'être une forteresse pour devenir un sanctuaire abritant plusieurs monuments et temples. Aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'un des sites touristiques les plus visités du monde. Majestueux sur l'Acropole, le Parthénon est le symbole de l'Antiquité grecque. Le bâtiment de 70 mètres de long sur 31 mètres de large a été construit entièrement en marbre et il est considéré depuis l'Antiquité comme une représentation parfaite de l'architecture de style dorique. Les chapiteaux des 46 colonnes de plus de 10 mètres sont dépouillés et les plans suivent un sens rigoureux des proportions. Si le travail de la centaine de sculpteurs est aujourd'hui blanchi sous le soleil, il faut savoir que les sculptures étaient peintes de couleurs variées et rehaussées par endroits d'éléments de bronze doré. Au fronton ou sur l'entablement posé sur la colonnade, les épisodes représentés relevaient autant du mythe que de l'histoire et de la politique. Et l'histoire d'Athéna, la fille de Zeus, était bien sûr à l'honneur. Elle était la déesse protectrice de la cité et le Parthénon sa demeure. En ce sens, l'édifice était plus qu'un temple, c'était un trésor qui lui tenait lieu d'hommage. L'Érechtheion, lui, était le véritable temple où était adorée la déesse. Construit peu après le Parthénon, il a remplacé un ancien temple dans lequel trônait sa statue sacrée en bois d'olivier. Les cérémonies du culte se déroulaient quant à elles sur un autel en plein air. Plus tardif donc, ici le baroque succède au classicisme et la simplicité fait place au raffinement. C'est le triomphe du style ionique. Collé au temple côté sud, il y a le fameux portique des Cariatides, où six statues de jeunes filles drapées servent de colonnes supportant l'entablement. La réalisation de ce portique est une révolution à l'époque du fait d'utiliser des femmes, même si les cannelures des colonnes sont évoquées par les plis sobres de leur péplos. D'une rare élégance posturale, chacune soutient un chapiteau qui a l'apparence d'une corbeille. Les coiffures, faites de tresses et de boucles, sont toutes différentes
et surmonte des visages très nobles. C'est le dernier monument érigé sur l'Acropole avant la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ et il est renommé pour son architecture, à la fois élégante et inhabituelle. On repart de l'Acropole sur le même chemin par lequel on est venu. La voie sacrée qui traverse tout le site et qui passe par les propylées, qui sont les monuments constituant l'entrée de la colline sacrée. Sur la pente de l'Acropole se trouve le plus important des théâtres de la Grèce antique, le théâtre de Dionysos, le dieu du vin. Les grandes fêtes des Dionysies s'y tenaient chaque année en son honneur. Il s'agissait initialement de chants, de danses et de sacrifices rituels prenant la forme de représentations théâtrales. Sa construction remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et au début, il comportait juste un orchestre hémisphérique en terre battue devant une scène en bois, les spectateurs prenant place sur la pente naturelle du lieu. La construction en pierre que l'on peut admirer aujourd'hui fut aménagée 100 ans plus tard. La première rangée de places était composée de 67 sièges en marbre à dossier, réservés aux différents dignitaires, magistrats, personnages de distinction ou arbitres de concours. Puis, en montant, le théâtre disposait de 78 rangées de sièges et offrait des places pour 17 000 spectateurs. Les grandes Dionysies se déroulaient devant la statue du dieu et sous la présidence d'un grand prêtre au printemps de chaque année. Durant ces festivités, toutes les activités de la ville s'arrêtaient et les citoyens étaient tous invités à collaborer à l'événement, ce qui renforçait la cohésion sociale. De plus, même les prisonniers étaient temporairement libérés pour participer aux fêtes. Cet événement attirait aussi un nombre considérable d'étrangers, des commerçants et les alliés de la cité d'Athènes. C'est pour ces occasions que furent créées les célèbres tragédies classiques d'Eschyle, de Sophocle ou d'Euripide, qui ont fait de cet édifice le berceau du théâtre grec antique et de la tragédie que l'on enseigne encore aujourd'hui dans les écoles du monde entier. Dès le 3e siècle avant Jésus-Christ, le déclin de la puissance militaire grecque face aux pirates de tout genre amena les Romains à conquérir le pays et à l'inclure dans l'Empire romain. Durant 5 siècles, la vie locale continua à peu près comme avant. Et ce fut la culture grecque qui influença alors largement la culture romaine que l'on nommera depuis culture gréco-romaine. Le théâtre d'Hérode Atticus, haut dignitaire romain et riche ami de l'empereur, est un vestige de cette époque. Il a été construit sur la pente de l'Acropole en l'an 161. Dès le début, la fonction principale de cet odéon fut d'être le lieu de représentation de pièces de théâtre et d'œuvres musicales. Ses excellentes capacités acoustiques faisaient de lui un lieu de représentation exceptionnel. L'édifice était plutôt petit et pouvait accueillir 5000 spectateurs, alors que la population de cette ville se chiffrait à 300 000 habitants. L'Odéon d'Hérode Atticus a été restauré et les rangées concentriques de gradins ont été remises en état dans les années 1950. S'y présentent différents spectacles de tragédie, d'opéra et de spectacles de danse, dont le Festival international d'Athènes qui se déroule chaque année de mai à septembre. Au pied de la butte sacrée, un nouveau musée a été créé en 2009 pour abriter les objets provenant des monuments et des fouilles sur l'Acropole. Construit sur pilotis, le musée préserve et intègre un site archéologique mis au jour lors de sa construction. La répartition des piliers a été dictée en fonction de l'emplacement des vestiges. D'une surface de 25 000 mètres carrés, soit 10 fois plus que l'ancien musée, il peut ainsi exposer de nombreux objets qui, jusque-là, étaient stockés dans des réserves. On y trouve notamment les originaux des cariatides qui ont été remplacés sur le site par des copies. Le but est de protéger tous ces chefs-d'œuvre qui se dégradent à l'air libre à cause des phénomènes chimiques dus à la pollution de la ville qui ronge la pierre. Quatre des cariatides sont donc originales. La cinquième est un moulage. Quant à la sixième, elle se trouve à Londres, au British Museum.
On y trouve également la grande frise du Parthénon, qui représente la grande procession offerte par la ville en l'honneur de la déesse Athéna et qui avait lieu tous les 4 ans. Ce jour-là, une procession avançait vers le temple d'Athéna, l'Érechtheion, afin de remettre des offrandes au pied de la statue de la déesse. La frise qui raconte cet événement était composée de 115 blocs et elle avait une longueur totale de 160 mètres, encerclant totalement le Parthénon. 50 mètres de toute la frise qui survit aujourd'hui sont ici, au musée de l'Acropole. 80 mètres au British Museum, un bloc au Louvre, tandis que d'autres fragments sont dispersés dans divers musées européens. Mais à Athènes, les vestiges de la Grèce antique ne s'arrêtent pas à l'Acropole. Disséminés dans toute la ville, les restes de cet âge d'or surgissent au milieu de la modernité, comme des indices à décrypter pour retracer son histoire. Au pied de l'Acropole, l'Agora était le lieu de rassemblement et le marché de la cité. C'était également la place où se trouvaient les bâtiments politiques, comme les institutions démocratiques et différents édifices religieux ou des tribunaux. Petit à petit, durant la longue période byzantine qui suivit la période romaine et lorsque la ville se rétrécit suite aux invasions barbares, l'Agora devint un simple quartier populaire de la petite bourgade qui était alors devenue Athènes. Beaucoup plus tard, au XIXe siècle, les habitations construites sur les restes de cette place furent progressivement rachetées et rasées et le site antique dégagé. Parmi les vestiges, une statue d'Hadrien montre l'imbrication qu'il y a eu entre le monde grec et l'Empire romain entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle. Sur la cuirasse de l'empereur, Athéna, la déesse protectrice d'Athènes, est debout au-dessus de la Louve, symbole de Rome. Cela signifie que Rome soutient la Grèce, mais aussi que la culture grecque domine Rome. Cela rappelle que Rome, après avoir conquis et brutalisé les Grecs, a été fasciné par la culture hellénistique à partir des règnes de Jules César, d'Auguste ou Adrien, qui a considérablement agrandi la ville. Mais retour à l'âge d'or de la Grèce antique. Sur l'Agora se situe le temple d'Héphaïstos, le dieu du feu et frère d'Athéna, datant, comme le Parthénon, du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce temple est le monument ancien le mieux conservé d'Athènes. Ici aussi, les colonnes doriques sont légèrement ventrues afin de donner au temple une silhouette élancée pour qu'il regarde vers le haut. Inauguré en -415, il est entièrement fait de marbre et respecte lui aussi les proportions dues au nombre d'or. Les frises évoquent le combat et la victoire de Thésée, le personnage mythique fondateur d'Athènes, contre les centaures, créatures mi-homme, mi-cheval. Tout autour du temple, des plantes sacrées telles que des grenades, des myrtes et des lauriers furent plantées afin de créer une belle harmonie. Hormis les Romains, les chrétiens ont, dès le 1er siècle, modifié considérablement le pays. Ce fut le passage lent mais inexorable du polythéisme vers le monothéisme. Située près de l'entrée sud de l'Agora, l'église des Saints Apôtres fut la première grande église d'Athènes, même si aujourd'hui elle ressemble plus à une petite église de quartier. Elle a été construite à la fin du Xe siècle sur le site d'un ancien temple grec, afin de couvrir le besoin croissant de paroisses dans une ville en constante évolution. Elle contient un certain nombre de fresques du XVIIe siècle. Le plan initial de l'église est celui d'une croix, avec son autel et son plancher en marbre. Dans la partie orientale de l'Agora, la Stoa Datal est un portique qui accueillait dans l'Antiquité une 40aine de boutiques. Il s'agissait d'un centre commercial qui a été reconstruit à l'identique dans les années 1950 et qui abrite désormais le musée de l'Agora d'Athènes. Parmi les trésors présents,
une belle statue d'Aphrodite, la déesse de l'amour, de la beauté et de la sexualité, dans un magnifique effet de drapé. Et deux statues, dont l'une représente l'Odyssée, ce chef-d'œuvre de la littérature écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ par Homère, qui retrace les aventures d'Ulysse. Et l'autre, l'Iliade, qui évoque, elle, la guerre de Troie avec comme héros Achille. Ces statues représentent les deux poèmes fondateurs de toute la culture européenne. Sur la place Monastiraki, une mosquée rappelle que la Grèce a fait aussi partie de l'Empire ottoman. C'est dans ce quartier que se tient aujourd'hui le marché aux puces de la ville. Sur la place, l'église de la Pantanassa est le seul vestige d'un monastère du Xe siècle aujourd'hui disparu. Juste derrière l'ancienne mosquée, la bibliothèque d'Adrien avait été créée par l'empereur romain en l'an 132. Elle aurait contenu plus de 20 000 rouleaux de papyrus. Après la destruction de la ville par les Visigoths, peuple venu d'Ukraine au IIIe siècle, et à l'époque byzantine, trois églises furent alors bâties sur le site. La rue Hermou est une longue artère de plusieurs kilomètres qui joint le centre archéologique au centre-ville. Sa zone piétonne est la partie commerçante la plus animée et la plus connue. Avec ses boutiques de mode haut de gamme et ses centres commerciaux, elle est dans le top 10 des rues commerçantes les plus chères du monde. Sur une petite place, à mi-chemin, se trouve une petite église byzantine, construite probablement autour de l'an 1050. Comme c'était souvent le cas avec les premières églises chrétiennes, elle a été construite sur un ancien temple païen grec dédié au culte d'une déesse, certainement Athéna ou Déméter. La promenade continue en s'enfonçant dans les ruelles de Plaka. C'est le vieux quartier historique d'Athènes, regroupé autour des pentes nord-est de l'acropole. Il s'est principalement développé autour des ruines de l'ancienne agora dans une zone continuellement habitée depuis l'Antiquité. Pendant la domination ottomane, Plaka était connu comme le quartier turc d'Athènes. Dans un dédale de petites rues, les maisons sont peintes dans des teintes pastel ou plus vives. Et c'est aujourd'hui un quartier très touristique, où l'on trouve de nombreux restaurants et magasins de souvenirs. Jouxtant le vieux quartier, l'agora dite romaine a été commencée par l'empereur Auguste à la fin de l'ère pré-chrétienne. Cette agora venait compléter la première, alors très encombrée. C'était une grande place de 111 mètres sur 98, entourée de quatre portiques à colonnades. Sur le côté est se dresse la Tour des Vents. Cette tour octogonale était une horloge hydraulique monumentale qui fonctionnait sur le principe d'un écoulement régulier de l'eau au fil du temps. Elle est remarquable pour les figures en haut relief des divinités des vents qui ornent chacune de ses huit faces. De plus, chacune des faces du monument est exposée au soleil à un moment précis de la journée. Le large espace rectangulaire central était entouré de boutiques et comprenait des latrines publiques. L'entrée ouest a gardé sa porte monumentale matérialisée par sa colonnade dorique surmontée par un fronton. C'était la porte d'Athéna. Durant la période ottomane, l'agora romaine a été recouverte par les habitations qui ne furent démolies qu'au XIXe siècle, époque où la place a été remise au jour. Surplombant les agora, la colline de la Pnyx était le siège de l'Assemblée des citoyens qui y votaient à main levée les lois et le budget, ou désignaient les magistrats. Le lieu était plus calme que l'agora et propice aux divers débats. Après César et Auguste, c'est l'empereur Adrien qui a le plus œuvré pour la ville durant la période romaine. Plusieurs monuments attestent encore aujourd'hui de cette implication. Tout d'abord, cet arc, qui a été élevé en son honneur après sa venue à Athènes en 131.
Il marquait l'entrée de la nouvelle Athènes voulue par l'empereur. C'était un petit arc de triomphe dans le style romain, surmonté d'une superstructure légère de colonnes corinthiennes et d'un fronton dans le goût hellénisant. Le monument mesure 18 mètres de haut pour 12,50 mètres de large. Un peu plus loin se trouve l'Olympiaion, le temple de Zeus. Sa construction, qui avait débuté au 6e siècle avant Jésus-Christ, a été achevée par Hadrien en l'an 131. Ses commanditaires voulaient en faire le plus grand temple du monde. Mais de ce temple de marbre de 108 mètres de longueur et qui possédait 104 colonnes de 17 mètres de hauteur, il ne reste aujourd'hui que 15 colonnes supportant encore quelques architraves. Les chapiteaux sont corinthiens, sculptés de végétaux. Hadrien dédia le temple à Zeus, le dieu suprême de la mythologie grecque. C'était le dieu de l'air, du ciel bleu et des phénomènes météorologiques. Le garant des lois du monde, qui, au fur et à mesure, devint le dieu des dieux. La place Omonia, ou place de la Concorde, est l'une des principales places d'Athènes. C'est l'ancien centre-ville reconstruit dans les années 1970 et maintenant assez mal famé la nuit venue. Non loin, la Bibliothèque nationale de Grèce est un édifice du 19e siècle en marbre blanc qui évoque un temple dorique. C'est ce qu'on appelle l'architecture néoclassique. Cette bibliothèque renferme des siècles de savoir et ne recèle pas moins de 500 000 volumes et 3000 manuscrits. Elle a été financée par un membre de la riche famille Valianos, dont la statue trône à l'entrée. Fondée le 3 mai 1837, l'Université d'Athènes est la plus ancienne université de l'Est de la Méditerranée. Aujourd'hui, c'est la seconde plus importante, mais la plus prestigieuse de Grèce, avec plus de 50 000 étudiants. Sur le parvis, une statue de Ioannis Kapodistrias, le gouverneur de la jeune République grecque, libéré de l'Empire ottoman en 1830. Derrière le portique de la façade qui fait penser à un temple antique, une fresque représente bon nombre de personnages illustres de l'Antiquité grecque, mais aussi les allégories des disciplines enseignées à l'université, comme la médecine et la théologie, ou l'astronomie et la physique. À l'instar de la bibliothèque et de l'université, l'Académie d'Athènes illustre parfaitement la vague de néoclassicisme qui a balayé la capitale grecque au XIXe siècle. Ici, c'est le domaine des sciences, des humanités et des beaux-arts. La naissance d'Athéna figure sur le fronton. À gauche, une statue de Platon, philosophe de l'Antiquité, est flanquée d'une statue d'Athéna perchée en haut d'une colonne ionique. Comme patronne de la ville, mais aussi en tant que déesse de la sagesse et de la connaissance, Athéna a évidemment sa place en ce lieu. À droite, c'est Apollon, le dieu des musiciens, qui surplombe Socrate, autre philosophe de l'Antiquité. Ici aussi, les colonnes corinthiennes et le marbre dominent en maître du classicisme. Et à l'intérieur, les fresques rappellent à tous la mythologie fédératrice de la nation grecque. Après avoir accédé à l'indépendance au XIXe siècle, le pays s'est reconstruit. Athènes, qui était devenue une petite bourgade, a rasé ses quartiers vieillots et a ouvert de larges avenues longées d'immeubles modernes. En tournant le dos aux Ottomans, elle s'est profondément européanisée comme un juste retour des choses. Kolonaki, la petite colonne, est un quartier riche du centre d'Athènes par sa proximité avec les bâtiments gouvernementaux comme le Parlement et le palais présidentiel. On y trouve la place Syntagma,
la place de la Constitution. Ici foisonnent les magasins de luxe, de haute couture, de joaillerie, ainsi que des restaurants et des cafés à la mode. Elle est le symbole de la Grèce indépendante et moderne. Au centre se dresse une fontaine de marbre, et elle est un point de rencontre incontournable pour le peuple grec qui aime à s'y réunir pour les manifestations. C'est en quelque sorte l'agora moderne de la capitale. Mais la Grèce ne se cantonne pas à Athènes, sa capitale. Dès le début de son histoire, les cités prédominaient et se faisaient la guerre pour asseoir leur supériorité les unes sur les autres. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans la montagne du nord du golfe de Corinthe, Delphes était l'un des grands sanctuaires de la Grèce antique, dédié au dieu Apollon. Sur les pentes du mont Parnasse, les anciens Grecs de toutes les cités venaient y consulter la Pythie, qui était la prêtresse qui rendait des oracles censés être les réponses du dieu Apollon aux questions qu'on venait lui poser. Le sanctuaire contient un grand nombre d'édifices, dont une tholos, qui est un édifice de plan circulaire à destination funéraire ou religieuse. Il s'agit d'un édifice rare et atypique de par son architecture particulière. À l'origine, 20 colonnes doriques soutenaient l'entablement et la toiture conique décorée de tuiles. La tholos est considérée comme le plus beau monument de Delphes, mais c'est aussi le plus mystérieux. Son origine et sa destination sont encore aujourd'hui inconnues. Un tremblement de terre en 373 avant Jésus-Christ a provoqué un glissement de terrain qui a abîmé une partie du site. Mais la catastrophe fut heureusement assez limitée. L'activité du sanctuaire de Delphes s'est étendue sur toute la période classique de l'Antiquité grecque et même durant l'époque romaine, soit sur plus de 1000 ans. Sur la voie sacrée, une agora romaine fut même construite au 4e siècle après Jésus-Christ. Pourvu d'un portique abritant des boutiques, cet aménagement faisait partie d'un plus vaste ensemble comprenant également des thermes et des maisons. Aujourd'hui, la colonnade du portique a été partiellement relevée et l'on aperçoit dans le fond les espaces qui abritaient les boutiques. L'utilisation de la brique est typique des constructions romaines. Sur une vue du temple d'Apollon tel qu'il était à l'époque, on peut voir à ses pieds le petit portique des Athéniens appuyé sur son mur de soutènement. Érigé en 480 avant Jésus-Christ, ce portique était un édifice constitué de 8 colonnes ioniques dont seules 3 peuvent aujourd'hui être admirées. Il abritait des trophées pris aux Perses lors des victoires navales. Sur le site, des constructions sont dénommées trésors. Lors de la consultation des oracles, des offrandes étaient portées à Apollon et selon la richesse de celles-ci, elles étaient entreposées dans des constructions. Ici, le trésor de Sicyone recelait des statues et des éléments votifs, à l'instar du site qui en possédait plusieurs milliers d'après les témoignages de l'époque. Ici, un nombril du monde. C'était le symbole de l'unité du monde grec. Et là, le trésor des Béotiens. Anciens rivaux des Athéniens, ils devinrent leurs plus précieux alliés dans la guerre contre les Spartes au 4e siècle avant Jésus-Christ. Les Béotiens avaient auprès des Athéniens une réputation de peuple inculte, lourdeau et peu raffiné. Encore aujourd'hui, l'adjectif béotien désigne une personne peu cultivée. Les sanctuaires étaient des complexes architecturaux extérieurs aux cités et à leur politique, ce qui signifie qu'ils étaient fréquentés non seulement par les Grecs anciens, mais aussi par les peuples alentours, parfois barbares, mais qui adoraient les mêmes divinités. Le site est traversé par une voie sacrée qui servait aux processions et qui desservait tous les lieux de culte dispersés sur le flanc de la montagne jusqu'au sanctuaire. Elle passe devant le trésor des Athéniens érigé vers 480 avant Jésus-Christ et qui commémorait la victoire grecque de Marathon contre les Perses. Parmi les nombreux vestiges plus ou moins bien conservés du site, le théâtre d'une capacité de 5000 places a été construit au 4e siècle avant Jésus-Christ. Avec ses 35 rangées de gradins, il présente aujourd'hui son état à l'époque romaine impériale.
C'est ici qu'avaient lieu les fêtes qui célébraient la victoire d'Apollon sur le serpent Python. Le rôle des théâtres, lors de leur construction, était très lié à la religion. Dans le monde grec, la représentation théâtrale est née de la célébration de Dionysos. Dionysos était le dieu du vin et de l'ébriété, qui permettait de passer de l'imaginaire à la réalité, tout comme l'illusion théâtrale donne une vie sur scène à ce qui sort de l'imagination de l'auteur. Le théâtre était donc un vecteur de mysticisme dans la Grèce antique. Juste sous le théâtre, le temple du maître des lieux, Apollon. À son extrémité se trouve l'autel sur lequel étaient pratiqués les sacrifices. Généralement, c'était des chèvres qui étaient égorgées. Les animaux étaient d'abord lavés à l'eau, et si durant ce rite ils frissonnaient, ils étaient alors aptes à la cérémonie. Le temple, lui, est rectangulaire, de forme allongée et mesure 23 mètres sur 60. Il possédait 6 colonnes doriques en façade et 15 sur chaque côté. Après le sacrifice, les grands prêtres s'y rendaient et là, on questionnait l'oracle. S'il fallait faire une guerre ou pas, s'il fallait se marier, s'il y avait péril à effectuer telle ou telle chose. Les pèlerins étaient séparés de la Pythie en état de transe par un rideau. Elle proférait alors des paroles incompréhensibles pour le commun des mortels, mais pas des prêtres, qui transmettaient les réponses aux questions posées. En vers jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ, et en prose après. Dans le temple, un feu sacré était entretenu et ne s'est jamais éteint pendant plusieurs siècles. Le stade construit au 5e siècle avant Jésus-Christ a lui aussi été remodelé par les Romains au 2e siècle après Jésus-Christ. Tous les 5 ans, les Jeux dits olympiques exigeait une trêve entre les cités en perpétuel désaccord, voire en guerre. La trêve commençait un mois avant, afin que les concurrents puissent venir rejoindre le site en toute quiétude et ainsi s'entraîner en suivant un régime alimentaire identique pour tous. Les épreuves sportives dont les participants étaient entièrement nus commençaient par des courses de chevaux, attelés ou pas. Puis se déroulait le pentathlon qui regroupe 5 disciplines, le lancer du disque, le lancer du javelot, le saut en longueur, la course à pied et la lutte. Et il n'y avait que le premier qui était récompensé. À Delphes, le musée archéologique pallie les manques relevés sur le site. Une maquette représente le sanctuaire tel qu'il était durant l'Antiquité. On y constate la place prise par le temple face au théâtre ou au trésor. La planche représentant le trésor de Siphnos montre bien toutes les attentions qui étaient portées à l'architecture et à la décoration des divers monuments. Le fronton fut redécouvert lors des fouilles de 1893. La frise qui courait tout autour de l'édifice montre les Olympiens décidant du sort de la ville de Troie, assis et bavardant, tandis que devant eux, les Grecs et leurs ennemis se battent furieusement. Le trésor construit en marbre brillant était précédé d'une entrée à 2 colonnes qui supportaient l'architrave. Ces colonnes étaient en forme de cariatides, ces jeunes filles richement emparées de robes et de bijoux ioniens. Autre merveille du musée, les statues dites de Cléobis et de Biton, appelées les jumeaux d'Argos, qui ont été réalisées vers 600 avant Jésus-Christ. Avec leur stature trapue et musclée, les jumeaux auraient pu être des lutteurs. La légende raconte que leur mère, très fière de ses fils, demanda à la déesse Héra le meilleur pour eux. Les deux frères s'endormirent alors pour ne jamais se réveiller. En cela, la déesse montrait qu'il leur valait mieux mourir que vivre, leur épargnant peut-être des souffrances, mais nul ne le sut. Dans une des salles, on peut voir des fragments des frontons du temple d'Apollon. Sur l'un d'eux est représenté Dionysos. Dans la mythologie grecque,
Dionysos est donc le dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie et la démesure, ainsi que du théâtre et de la tragédie. Il est le fils de Zeus, mais ne vit pas sur le mont Olympe. C'est un dieu errant. De l'autre fronton, il ne reste qu'un morceau de lion dévorant une antilope et un fragment de jeune fille. Une autre statue montre Agias, un champion de lutte qui a malencontreusement été tué par Télémaque lors d'un combat à main nue. Son frère, Agélaos, était lui aussi lutteur, mais moins talentueux. Avec les deux statues précédentes, cette troisième faisait partie d'un groupe de sept offerts au sanctuaire d'Apollon par une riche famille. Dans la salle se trouve une copie romaine de l'Omphalos, la pierre nombrile de Delphes. L'original marquait le point où, selon la légende, les deux aigles lâchés par Zeus aux deux extrémités du monde s'étaient croisés, définissant ainsi le centre du monde. À travers les vestiges de statues et de colonnes finement ciselées, on peut apprécier le degré de savoir-faire des sculpteurs qui ont œuvré à Delphes il y a 2500 ans. Certainement, les meilleurs de la Grèce antique. Pour preuve, ce trépied de 13 mètres de haut avec trois danseuses qui soutenait un chaudron de bronze pour les offrandes, comme un gigantesque brûle-parfum. Ce sont les prêtresses de Dionysos. À côté, l'autel de marbre du temple d'Athéna présente des sculptures en relief. Tout comme les magnifiques frises retrouvées dans les ruines du théâtre. Autre vestige de l'époque romaine, cette statue de marbre représente Antinous. L'amant de l'empereur Adrien est mort à 20 ans, noyé dans le Nil, dans des circonstances qui restent mystérieuses. C'est aujourd'hui l'un des visages les plus célèbres de l'Antiquité. Autre portrait célèbre, celui de Flamininus, un général romain qui délivra la Grèce des envahisseurs macédoniens au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il fut l'un des premiers Romains à apprécier et à propager la culture grecque dans son propre pays. Mais la pièce la plus célèbre du musée est certainement l'Orige de Delphes. Cette statue en bronze de la taille d'un homme fut commandée par un prince grec pour commémorer la victoire de son char aux Jeux olympiques en 478 avant Jésus-Christ. L'Orige étant le conducteur du char. Le culte d'Apollon, repris à leur compte par les Romains, va prendre fin en 392, lorsque les chrétiens, alors maîtres de Rome, vont faire interdire tous les cultes païens. Puis les temps sombres de la barbarie vont enfouir à jamais cette culture sous les décombres et dans l'oubli. Les nouveaux maîtres de la Méditerranée, les Byzantins chrétiens qui avaient déjà bâti des églises dès le 1er siècle, vont alors orienter la Grèce vers de nouvelles destinations mystiques. À 20 km de Delphes, le monastère d'Osios Lucas, le monastère de Saint-Luc, compte parmi les plus beaux monastères byzantins du pays. Il fut construit en 1011 sur les fondations d'une église bâtie en 944 et consacré à son fondateur Luc, un ermite du Xe siècle. C'est aujourd'hui l'un des plus importants édifices médiévaux de Grèce, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'origine, en 946, Luc s'était construit une loge et un jardinet sur l'emplacement d'un temple grec à l'abandon pour y vivre en ermite. Il avait le don de guérison et de prophétie. C'est pourquoi, après sa mort, sa tombe fit l'objet de nombreux pèlerinages. Une première église dédiée à la Vierge était déjà construite et la deuxième destinée aux pèlerins a commencé dans la seconde moitié du Xe siècle. La galerie que l'on devine à l'étage est le gynécée, où les femmes prenaient place et qui forme une tribune courant sur trois côtés de l'édifice.
Le grand dôme mesure 9 mètres de diamètre. 500 ans plus tard, après la conquête turque, les moines latins furent remplacés par des moines orthodoxes. Le monastère fut souvent pillé et subit de nombreux tremblements de terre, mais aujourd'hui encore, il est occupé par quelques moines orthodoxes. Les moines suivaient une règle austère et consacraient beaucoup de leur temps à la méditation et à la prière, mais ils devaient aussi effectuer tous les travaux manuels nécessaires à leur subsistance. Le monastère possédait de vastes espaces agricoles et la culture des oliviers y tenait une place essentielle. Dans l'enceinte du monastère, on peut donc voir toutes sortes de bâtiments annexes destinés aux travaux spécialisés comme la boulangerie, la couture, la tonnellerie ou la fabrication d'huile d'olive. La plus grande des deux églises dédiées à Saint-Luc se trouve à droite dans la cour. Sa façade montre bien la récupération des pierres où se mélangent marbre grec et briques romaines. Une belle fresque orne son portique d'entrée et l'on peut voir une décoration arabisante. L'entrée des visiteurs se fait aujourd'hui par le réfectoire transformé en petit musée. Puis l'église est précédée d'un vestibule rectangulaire, le narthex, réservé à l'époque aux personnes non encore baptisées. Au plafond veillent les archanges Michel, Gabriel, Uriel et Raphaël. L'intérieur de l'église conserve l'essentiel de sa décoration du XIe siècle. Elle est répartie en deux zones. La zone inférieure, parée de plaques de marbre précieux, et la zone supérieure, dont la décoration se compose de mosaïques exécutées par des artistes venus de la capitale de l'Empire byzantin. La coupole est décorée de la figure du Christ, maître de l'univers. Sur la voûte de l'abside centrale, une mosaïque à fond d'or représente la Mère de Dieu assise sur un trône et présentant l'enfant sauveur du monde. Plus bas se trouvent les apôtres, qui représentent la parole de Jésus et, au-delà, celle de Dieu. Un des angles est orné de l'épisode du baptême du Christ dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste. La deuxième église, la plus ancienne, était dédiée à la Vierge. Elle fut commencée en 946 et achevée en 955, seulement 2 ans après la mort du saint. Ici, la décoration a disparu au cours du temps. Mais on peut cependant admirer les belles icônes religieuses. Sous l'église, la crypte est constituée d'une nef principale au fond de laquelle se trouve le tombeau du saint. C'est ici que l'on vient le vénérer, même si aujourd'hui la tombe est vide, car ses reliques ont été transférées au Vatican, à Rome, en Italie. Les parois et le plafond de la crypte sont couverts de fresques et de superbes mosaïques. De plan carré, la crypte possède plusieurs chapelles, dont une décorée d'une belle fresque du XIe siècle, représentant la descente de la croix. Ce monastère est un véritable trésor de l'art religieux. On peut y admirer un des cycles les mieux conservés et les plus complets de l'iconographie byzantine en Grèce. Ce lieu est surtout remarquable par ses mosaïques tout à fond d'or et le raffinement de sa décoration de marbre, de jaspe et de porphyre. Le monastère d'Osios Lucas appartient à l'église orthodoxe qui se comprend comme l'église chrétienne des origines, dont toutes les autres églises sont membres.
y compris l'Église catholique romaine. Elle refuse l'autorité du pape, ne reconnaissant que celle de Jésus-Christ au travers des écrits des apôtres, les évangiles. Plus au nord, le cap Sounion est surtout renommé pour les ruines d'un temple dédié à Poséidon. La première mention du cap dans la littérature antique remonte à l'Odyssée, qui parle du cap Sounion comme le Saint Cap d'Athènes. Les ruines du temple de Poséidon, bâties au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, surplombent la mer d'une hauteur de près de 60 mètres. La baie a aujourd'hui été transformée en station balnéaire très prisée des Athéniens. Les colonnes du temple mesurent 6,10 mètres de haut pour un diamètre de 1 mètre à la base. Leurs cannelures particulières ont été étudiées pour résister à l'action de l'air salin. Homère appelait le temple de Poséidon le promontoire sacré, et les marins y invoquaient le dieu de la mer. Selon la légende, le cap Sounion est le lieu d'où Égée, le père de Thésée, se serait jeté à la mer croyant que son fils avait péri dans son combat contre le Minotaure. D'où le nom de la mer Égée, la célèbre mer qui entoure la Grèce. On le voit, doté d'un riche passé, la Grèce est le véritable berceau de la civilisation occidentale. Durant le premier millénaire avant Jésus-Christ, elle a planté les graines d'une culture toujours en vigueur de nos jours. Première république de l'histoire, la démocratie athénienne connut une vie intellectuelle importante, rassemblant des philosophes et des auteurs de théâtre. Les Grecs sont également considérés comme les inventeurs de la logique et les précurseurs de la physique, des mathématiques et de l'astronomie. De plus, l'art grec reste toujours considéré comme un modèle de l'équilibre et des proportions pour tous les artistes du monde entier. À travers cette histoire, la Grèce antique a fortement influencé la culture et la civilisation occidentale moderne.